Donc, la fin de la souffrance, c'est bien la fin de là où on ne s'attache plus. Quand on ne s'attache plus à rien, on n'a plus de concept, ni de croyance, ni d'intérêt, ni rien. On est vidé de tout ce qu'on veut. On n'a plus de souffrance. Parce que la souffrance, finalement, elle n'appartient pas à toi. La souffrance, ça appartient au monde, ça appartient à l'humanité. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans ce monde-là, ils croient qu'ils sont heureux, qu'ils sont bien, et tout. Alors après, quand tu as pris de conscience, tu commences à réaliser, tu fais, j'ai pas de si, j'ai pas de ça, j'ai pas de comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai peur. Si j'ai peur de sortir là, parce qu'il y a trop de vent, il y a trop de bruit, comment je fais? Tu prends pas un peu. Oui, mais si j'ai ma parapluie, si j'ai ma parapluie, tu fais rien. Pourquoi tu as besoin de sortir quand il y a des choses que tu... Si j'ai envie de sortir, ou j'ai besoin de sortir. Non, mais quand il y a la pluie, quand il y a du vent, quand il y a des dangers, ne sors pas. Sois sage. Tu sais, nous les humains, on est toujours en train de vouloir faire quelque chose. Pourquoi on veut toujours faire quelque chose à contre-courant? Laisse la vie t'indiquer comment la vie est. Oui. La vie va te dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais ce n'est pas à toi de dire à la vie, calme-toi la vie pour que je puisse être bien. Je ne cherche pas. Je me dirige et je vois la pluie. Oui. Eh bien, tu t'abrites. Tout simplement. Parce qu'en fait, tu n'as rien, aucun but. Tu sais, dès que tu as un but dans la vie, tout devient compliqué. Tu comprends? Mais si tu n'as pas de but, peu importe ce qui arrive, tu vas toujours trouver un moyen pour te sentir. Mais si tu insistes que tu dois faire ça, et malgré vent et marée, eh ben tu vas créer la guerre. À la fin de tout ça, il y aura la guerre. Parce que je veux mon pays, je veux que ce soit comme ça, et je veux que ça reste comme ça. Lorsque je suis russe, je suis ukrainien, et je veux que ce soit comme ça. Donc tu insistes, tu as un but. Moi je dis, si tu n'as pas de but, tout ira bien. Oui, mais moi j'ai eu des peurs, et je suis allée au-delà de la peur, et ça m'a libérée. Pardon? J'ai eu des peurs. Oui. Et ça, j'étais au-delà de la peur, j'ai réalisé que c'était une peur. Oui. Je me suis dit, ben non, c'est pas. Exactement. Et puis bon, ben, j'ai me réalisé que c'était, oh, c'est pas possible ça. Voilà, mais je suis allée au-delà de la peur. Là. C'est ça. À ce moment-là, tu vois, au-delà de la peur, ça veut dire que tu as compris que ce à quoi tu t'attaches, okay, ça n'a aucun sens. Le jour où tu as compris que tu t'attaches aux choses qui n'ont pas de sens, eh ben, tu es libre d'aller. Tu vois, et c'est avec la grâce que tu le fais. Il n'y a plus de peur. Tu comprends? La peur s'atténue. C'est parce que tu as compris que tout ce que tu veux t'empêche de te libérer. Parce que quand tu t'accroches à des choses, ben, tu n'es plus libre. Tu es dépendant de ce bonheur que tu trouves. Mais cette peur-là, elle me coinçait, elle m'empêchait d'aller au-delà. Bien sûr, mais dès que tu as vu que tout ça, c'est ce que tu t'attachais, ben, tu peux te détacher, et avec grâce, okay, ben, il n'y a plus la peur. Donc, la fin de la souffrance, c'est bien la fin de là où on ne s'attache plus. Quand on ne s'attache plus à rien, on n'a plus de concept, ni de croyance, ni d'intérêt, ni rien. On est vidé de tout ce qu'on veut. On n'a plus les souffrances. Parce que la souffrance, finalement, elle n'appartient pas à toi. La souffrance, ça appartient au monde. Ça appartient à l'humanité. Donc si tu joues avec, tu vas souffrir. Si tu joues avec toutes ces choses qu'on te donne, le consumérisme, il faut consommer, il faut avoir ça, mon argent, les affaires, et tu t'attaches, ben, tu es foutu. Tu rentres dans le jeu. Et là, on a compris qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu. Tu comprends? Mais le problème, c'est que, comme tu dis, mais tout le monde nous a appris depuis des générations et des générations que c'est comme ça. On est obligé. Donc on est esclave. Et cet esclavage que nous avons, c'est l'obéissance. L'obéissance des pensées que nous avons dans notre tête. C'est nous-mêmes qui obéissons
à nos préjugés. Donc la liberté d'esprit, c'est de pouvoir faire en sorte que ce que tu sais qui est faux, ben de les débusquer et de les mettre de côté. Et tu es libre. Je peux rentrer dans le jeu tout en étant consciente que j'en ai besoin, ou ça me fait plaisir, ou il y a quelque chose. Et puis bon, quand j'ai conscience, je ne me laisse pas bouffer par tout ce train-train, tout ce truc-là. Je suis dans la conscience de ce que je fais. D'accord. Alors la conscience, elle est une présence. Oui. D'accord. La présence, quand elle est présente, elle n'a besoin de rien. Elle ne fait rien pour garder, pour s'amuser. Il n'y a rien. La conscience, ce n'est pas un état où tu es bien ou pas bien. La conscience, c'est une présence face à tout ce qui se joue. Ça, c'est ce que tu es pour de vrai. Oui, ben je fais. Alors, j'achète ce que je dois acheter, tranquillement, sans peur, sans culpabilité. Et puis, ben, je rentre, et puis, oui, voilà, c'est tout. Voilà. Et ce que tu es, ce n'est pas le personnage. Il n'y a plus moi. Moi n'existe pas. Moi, il est toujours un peu toujours mal. Ah, attends. Si tu es consciente, moi n'existe pas. Moi n'est plus là. C'est seulement quand moi est là qu'existe l'attachement, la peur, l'angoisse. Quand ça, c'est pas là, ben, tu es libre. L'esprit est libre d'explorer. Okay? C'est-à-dire qu'il n'est plus endimanché avec ce que la pensée propose. Il est libre de toutes les pensées. Et ça, c'est la chose la plus belle que tu puisses arriver à faire. C'est de te débarrasser de toutes les illusions que tu as. Parce que une pensée, c'est quoi une pensée? C'est autre chose. C'est le passé. Le passé en puissance qui est là et la restitution de la mémoire que tu as vécue, elle se restitue. C'est une mémoire. La pensée, c'est une mémoire. Et ça, tu t'es identifié avec ça. Mais ça n'existe pas. Une mémoire, ça n'existe pas. C'est ça la difficulté pour nous les humains, de se désidentifier de cette pensée. Eh oui. Et ça, c'est ça le problème. Parce que des millions d'années, nous avons donné beaucoup d'importance à moi. Moi est devenu très important. Et moi, c'est tout ce qu'on pense. Est-ce que c'est un ego? Hein? L'ego, c'est le moi? C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'ego, le moi, le je, ce que j'attends, le personnage, tout ça. Ça, c'est l'ego. Et on s'est identifié à ça. Et là, on est en train de dire, de regarder ce personnage, être dans la pièce, dans le cinéma, regarder le film que tu joues, sans que tu sois impliqué dedans. Tu es la présence qui voit ça. Et quand tu vois ça, alors tu te détaches de ce que tu n'es pas. Tu réalises que ce que tu es, c'est juste la présence. Et la présence, c'est juste une intelligence, c'est juste une perception. Il ne reste plus que la perception de ce que la vie propose. C'est ce que tu es. Tu es ça, la perception de la vie. Et on n'est rien d'autre. Rien d'autre. Oh, tu peux penser que tu es quelqu'un avec tes histoires, tes problèmes. Tout ça, c'est des histoires que tu te racontes. Tu es la vie. Mais ça, ces moments de présence, c'est une joie qu'on n'explique pas, qu'on se voit faire, et d'être presque dans un état d'extase. Mais on n'est pas, on n'a pas conscience, parce que on court toujours après quelque chose. Bien sûr, parce que ben, à ce moment-là, c'est pourquoi on court. C'est parce qu'on n'est pas satisfait, parce qu'on n'est pas comblé, parce qu'on est toujours attaché, parce qu'on veut trouver quelque chose pour se raccrocher. C'est ça la course. Mais quand tu n'as plus rien à attacher, quand tu ne veux plus rien, tu n'attends plus rien, tu ne demandes plus rien, qui es-tu? Tu es la vie. Tu es un peu d'amour. Tu n'emmerdes personne. Tu aimes, même s'ils ne t'aiment pas. Tu aimes. Tu es là. Et il n'y a personne qui peut venir te contrarier de ça. Tu vois, si tu es contrarié, c'est parce que tu n'es pas vrai. C'est parce que cet amour, cette présence, elle est très fragile. Et alors, il faut que tu solidifies cette présence. Cet acte d'être là, d'aimer, sans rien attendre de personne. Il faut que tu solidifies ça pour que tu sois bien dans ta présence. C'est
et ne jamais regretter. À ce moment-là, quand tu es ça, tu ne regrettes rien. Toutes les actions que tu fais, c'est juste. Tu ne regrettes rien, tu ne te languis pas sur ce qui s'est passé. Il n'y a plus de passé. Le passé, c'est fini pour toi. Tu vis tout l'instant, toujours l'instant. Et à chaque instant, tu t'émerveilles. Parce que tu crées à ce moment-là, à chaque instant, la vie qui se vivifie. Et nous avons besoin de ça. Et l'injustice. Pardon ? Pas d'injustice, il y a l'injustice sur cette terre. Je veux dire, on a des émotions. Oui. On voit des gens malheureux. Oui. On dit qu'il ne faut pas avoir aucune pensée, il faut l'être humain sans pensée. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, sans pensée. Ça veut dire que... Sans pensée, c'est pas évident. Et les émotions là-dedans, alors, c'est une pensée, une émotion. C'est une pensée qui ravive notre mémoire. Je ne sais pas, quand on voit quelqu'un en train de mourir de faim, on n'est pas impassible quand même devant ça. C'est une pensée, une pensée de compassion. Ça veut dire que quand il n'y a pas de pensée, madame, quand il n'y a pas de pensée, ça ne veut pas dire qu'on est un légume. Attention, parce que tu as besoin d'une certaine façon de te diriger dans la vie. Si tu dois rentrer chez toi ce soir, il faudra bien que tu prennes les clés de ta voiture et que tu te rappelles où tu habites. C'est de la pensée aussi, non? Donc, quelque part, nous avons... Tout ça, tout ce que nous sommes devenus, okay, c'est un instrument pour pouvoir fonctionner dans le monde. Okay? Nous avons besoin de fonctionner. Autrement, on est des légumes. Tu vois? On a besoin de la pensée. C'est pas la pensée, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est ni bien ni mal. C'est juste parce que quand tu penses que tu dois être heureuse alors que tu n'es pas heureuse, c'est là que la pensée devient un problème. Parce que tu cherches à faire exister un état que tu n'as pas. Et là, tu es dans l'illusion. Mais dans les faits, il faut bien que tu rentres chez toi le soir, tu fais ton repas, tu fais ta cuisine, tu laves ton linge, tu changes tes draps, tu passes un coup de balai. Tout ça, c'est fonctionner. Et on doit fonctionner pour se garder en vie, pour se garder en bonne forme, manger bien, courir un peu, s'amuser, parler ensemble. Tout ça, on a besoin, tu vois. Mais ce que tu n'as pas besoin, c'est de devenir ce que le monde attend de toi. Et quand tu crois que tu dois faire plaisir à quelqu'un, alors toute la pensée que tu as devient un danger. Alors au bout de tout ça, il y a la guerre. Parce que tu forces à quelqu'un d'être ce qu'il n'est pas. Tu lui demandes d'être à ton goût. Il n'y a personne qui sera à ton goût. Personne sur la terre. Et personne ne pourra être à ton goût. Tu savais ça, toi? Personne ne peut être à ton goût. Même pas ton chien, tiens. Même ton chien te fera chier. Il va t'embêter un jour. Hein? La pensée, moi j'ai du mal à l'expliquer. Parce que c'est un état, finalement. La pensée? Non. Déjà, je n'ai pas les mots parce que c'est difficile. C'est quelque chose qui se vit. Il y a une pensée qui arrive. Je ne sais pas, n'importe quelle pensée, quand ça arrive, il y en a des milliers par jour. Mais ce que moi j'ai fait pendant très longtemps, c'est que j'ai cru que cette pensée était vraie. Ah, oui. C'était ça mon problème. Ben oui, parce que tu t'es identifié. Ah, voilà. Ah. Oui, mais c'est difficile. Moi, j'ai du mal à en arriver à ça. Oui. Ah. Et maintenant, ben, elle arrive la pensée. Ben, elle arrive. Oui. Et puis il y a des moments où elle me circuite. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça c'est sûr. Mais après, je réalise quand même que ben, je me suis dit, c'est quoi? Tu t'es fait avoir. Je n'ai pas été assez présent. Mais quand je suis bien présent, les pensées, elles arrivent, elles sont là, et c'est tout. Donc, c'est ça notre problème aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Tu vois, c'est que la présence que tu es, oui, elle est celle qui voit les choses se faire. C'est-à-dire, elle peut avoir un regard sur tout ce qui existe, sur l'univers entier, depuis son commencement jusqu'à sa fin. Ok ? Oui. Et ce que tu es, c'est la perception de tout ce qui se joue. Et cette perception, c'est de l'intelligence. Et cette intelligence met de l'ordre dans tout ce qui est inconnu. Tu vois ? Parce que tu as laissé être cet état où tu mets l'ambiance, où tu crées la vie. À ce moment-là, c'est toi qui crées la vie.
nous créons la vie, nous avons besoin de créer cette vie, au lieu de laisser cette vie nous envahir et nous bousculer. C'est à toi de faire en sorte que ton environnement soit intelligent, agréable, à vivre ensemble. Ne pas se marcher sur les pieds l'un de l'autre, mais pas essayer de prendre chez l'autre l'énergie que tu as besoin. Ne rien attendre surtout de personne, parce que tu seras déçu. Et quand tu seras déçu, tu vas te le montrer, et l'autre il sera pas content, parce qu'il dit, mais je te dois rien moi. Tu comprends le problème avec nous? C'est que nous avons l'impression que c'est notre bonheur vient de là-bas. Là-bas, c'est l'illusion. L'illusion. La réalité, elle est là. La réalité, c'est la présence. Et il n'y a que ça qui existe. La vie. La vie, c'est la présence. Et nous sommes la vie. Et tu vois, si nous savons ça, tu vois, tout le personnage que nous sommes n'a aucun sens. On s'est inventé un personnage pour pouvoir exister aux yeux du monde, parce que le monde nous demande d'être quelque chose alors qu'on n'est rien. On n'est rien. Rien. On n'est que la vie. Et la vie, c'est rien. La vie, c'est juste un vent qui passe et qui nous envahit d'amour, de joie et de plaisir. Non, on n'a pas besoin de connaître tout ça pour être dans la présence. Non. On n'a pas besoin de tout ça, il me semble. Oui, mais la présence, elle ne peut être là que si tu abandonnes. La présence ne peut être là que si tu abandonnes ce qui est faux. Ce qui voudrait être présent à la place de la présence. C'est-à-dire, il y a l'authentique et il y a ce qui n'est pas authentique. Si ce qui n'est pas authentique est là, ben l'authentique ne peut pas être là. Parce que l'authentique, c'est fragile, ça. L'authentique ne peut pas forcer. L'amour ne force pas. Et tu sais, cette présence ne force rien. Elle est là, c'est tout. Ben voilà, mais il y a besoin de réflexion, là. Il n'y a pas besoin de réflexion, il n'y a pas besoin de loi. C'est la présence. D'accord. Alors, tu vois, on a discuté ensemble, là. Tous là, on a discuté ensemble. Et tu vois, moi, je trouve que quand on cause avec toutes ces choses-là, on s'élève déjà. On apprend des choses. Bien sûr, on prend conscience. Donc, il y a ce besoin de se rencontrer pour pouvoir réaliser que ce qu'on est n'est pas ce qu'on est. Parce que c'est une réflexion pour se découvrir soi-même. Et on se découvre soi-même à travers le regard des autres, à travers l'autre là-bas, tu vois, que je n'aime pas, c'est mon ennemi. Je vais apprendre qui je suis à travers toutes ces interférences. Et nous avons besoin de cette interférence pour pouvoir comprendre, pour que cette intelligence puisse naître et dire, oh, là, il y a un problème parce que je souffre. Ok, donc tu essayes de comprendre pourquoi tu souffres. C'est parce que tu as fait quelque chose qui est incongru, qui n'est pas sage, qui n'est pas quelque chose qui amène la paix, mais qui amène les autres, tu vois. Et c'est ce qu'on est. On a besoin d'apprendre à mettre l'ordre dans le désordre que nous avons créé nous-mêmes. Et celui qui met l'ordre et ce qui est arrangé, c'est la même chose. Tu sais, l'égoïsme et moi, je ne peux pas me diviser, je ne peux pas me dire, je mets l'égoïsme là-dessous. Non, c'est la même chose, donc je ne peux pas diviser, je peux que rester avec lui et faire en sorte qu'on s'harmonise. Est-ce qu'il y a pas encore une pensée quand on parle d'égoïsme, de bien et de mal? Bien sûr, la pensée c'est le mot, le mot c'est de la pensée. Tout ce qu'on connaît comme pour s'exprimer, ben, ce sont des choses qu'on a appris. Tu as appris le français toi, si j'étais allemand, ben, je serais parlé allemand, mais ce serait des pensées, l'allemand, le mot, les mots. Le verbe, c'est la pensée. Mais tu vois, quand cette pensée utilise, quand la vie utilise la pensée pour pouvoir se faire comprendre. Parce que tu exprimes la vie à travers ce que tu sais. Et la vie, si tu n'as pas de mots, si tu n'as pas de parole, tu seras un légume. Tu vas être assis là-bas sur le bord de la mer et tout le monde va passer. Ben, oui, elle est gentille, elle est là, elle ne fait rien. Oui, mais au bout d'un moment, il faudra que tu dises à quelqu'un, tu sais, toi, là, il y a une petite fleur, là, viens la sentir.
tu sais, parce que ce que tu es, c'est une belle fleur. Et il faut que tu trouves le moyen pour que cette fleur ait son parfum, pour que quelqu'un ait envie de venir causer ensemble comme ça. Parce que nous sommes des fleurs, nous avons un parfum, et ce parfum, on doit le découvrir. Parce que si on ne découvre pas ça, on sera des mécaniques, des gens mécanisés, où il n'y a pas de beauté, il n'y a rien. Oh, la beauté, c'est quoi la beauté? La beauté, c'est la vérité. La beauté, c'est la vérité. Est-ce que tu peux voir la beauté? L'essence de la beauté dans un coucher de soleil. L'essence, je ne dis pas tant le nuage, la couleur du soleil, ce n'est pas ça. Mais la beauté que ça représente. Ben ça, c'est vivant. Et ce que tu es, c'est ça, cette beauté. Ce que tu es pour de vrai, c'est ça, cette présence. Et cette présence doit être exprimée entre nous pour qu'on puisse savoir qui on est. Et elle est là, de toute façon, là aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Elle a toujours été là. Hein? Et même si on va mourir demain matin, elle sera encore là, hein? Parce qu'elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Okay? Donc, ne nous inquiétons pas pour demain, parce que ce que nous sommes n'a pas de commencement. Je vais vous poser une question assez personnelle. Vas-y. Vous parlez en tant qu'expérience, tout ce que vous dites, toutes vos pensées, très belles d'ailleurs, vous avez à entendre. C'est par expérience que vous parlez, ou vous avez vécu tout ça, vous avez fait un... Comment dire ça? Vous avez passé une interférence, c'est-à-dire vous avez connu le bon, le mauvais, le noir, le blanc. Avant, je disais à mes enfants, quand je disais à mes enfants, il faut être gentil, hein, j'étais hypocrite, parce que moi-même, je n'étais pas gentil. Ok? Parce que je disais à mes enfants comment il fallait faire, mais je ne savais pas le faire. Maintenant, j'ai appris à le faire. Et si je le fais, et je te dis de faire, je serai hypocrite si je ne le fais pas. Tu comprends? Parce que là, ça dépend de notre sincérité terrible, terriblement sincère avec soi-même. Ne pas se mentir. Tu vois? Si on se ment en faisant croire aux autres que ce que tu dis, c'est vrai. Moi, tout ce que je te dis, ça vient du fond de mon cœur. J'ai pas appris ça dans un bouquin. J'ai peut-être lu des livres, oui. Mais ça, c'est inscrit en moi. Ce que je sais là, ce que je sais, c'est inné en moi et en toi aussi. Et c'est pour ça que tu peux comprendre ce que je dis. Tu peux entendre, parce que tu sais que c'est vrai. Si je te disais un mensonge, tu le saurais tout de suite. Si je te disais Père Noël existe, hein, tu serais... Le prêchement existe.